Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Et moi je vais pas bien du tout parce que je suis pas contente. Je ne suis pas contente du tout, vous allez voir pourquoi. Je vais me connecter. Alors je tiens à préciser que je suis actuellement connectée sur Movistar Planet, mais la version PC. Voilà, l'application que l'on peut télécharger sur PC, qui n'est pas sur Mac d'ailleurs. J'espère quand même qu'ils vont la sortir sur Mac, même si c'est de la merde. Non, en vrai, c'est vrai, je les trash talk à mort, mais c'est vrai, je suis déçue, et ça c'est la vérité, c'est pas du clickbait ou quoi. C'est pas du putaclic ou quoi, c'est je suis vraiment la déception. Là, vous voyez dans mon cuffetu, coucou, merci pour les saluts, je lag trop vivement l'application PC, sauf que ça fait déjà quelques jours que j'utilise l'application PC, et je lag quand même. Je suis quand même obligée de mettre l'anti-bug pour faire mes vidéos, je suis quand même obligée même de relancer plusieurs fois Movistar Planet, que ce soit en live ou en vidéo. On va dire au début, les premières secondes, les premières minutes sur l'application, c'est quand même mieux que sur la version navigateur, mais dès que je commence à faire un truc, ça y est, regardez, mon personnage le rame déjà, vous voyez? Je suis obligée de mettre l'anti-bug directement, sinon je bug déjà. Moi qui pensais que cette application allait m'aider à pouvoir vous répondre plus facilement, pour être plus active, et ben je me trompais bien. Voilà, je me trompais pas mal parce qu'au final, ça lag quand même. Il y a eu des nouveaux bugs aussi, des bugs qui avec l'application. Pour ceux qui ne savent pas, donc par exemple, je vais vous montrer, j'ai des gens qui m'ont GG pour le pack, Chouinzel. Merci. Alors, je sais pas si elle dit ça par rapport à l'imitation ou elle pense que j'ai vraiment pris le pack. J'espère que c'est pour le deuxième parce que sinon, ça voudrait dire que j'ai super bien réussi le pack. Bref. MSP, je trouve que votre application, bah, elle est pas finie. Faudrait peut-être la finir, quoi. Ça serait cool de la finir. Mais en gros, oui, des bugs. Donc, il y a des personnes qui m'ont envoyé des images. Donc, voilà, j'ai commencé à refaire les vidéos sur les situations. Et dans mes mails situations, je reçois énormément de personnes qui me donnent les bugs qu'il y a sur l'application. C'est-à-dire le fameux bug où on voit des trucs bizarres, voilà. Vous voyez ici les trucs en double, enfin des deux côtés, tournés, tout ce que tu veux, 360 degrés, etc. Pareil, hein. Et encore là, ça en montre qu'un seul. Mais moi, attendez, je suis sûre que. Attends, on va offrir un cadeau. Tiens, hop, ici on clique, ça tombe sur Renard203. Bon, là, ça fait pas longtemps que j'ai ouvert l'application, donc est-ce que ça va directement commencer à bugger, je ne sais pas. Mais là, bah regardez déjà, ça ne charge pas plus vite que sur movistarplanet.fr, enfin, sur la version navigateur. Je regardais, là ça met quand même beaucoup de temps à charger comme la version normale quoi, alors que je suis, je rappelle, sur la version PC actuellement. Donc je suis un petit peu vénère parce que je pense que je m'attendais tellement à que ce soit mieux qu'au final je suis grave déçue en fait j'aurais peut-être pas dû m'attendre à que ce soit aussi bien quoi. Regardez, voilà, à peine j'ai lancé, bam, regardez-moi ça, c'est quoi ça? Movistar Planet, c'est quoi? Vous avez pas fini votre programme, ça marche comment? Vous voulez que je vous apprenne? Vous voulez, voilà, recrutez-moi et... Venez, moi je viens là en Irlande ou je sais pas où est-ce que vous êtes et puis moi je fais votre travail. Non mais je les engueule, mais en vrai bon je sais pas, ça vient de sortir il y a pas longtemps, donc peut-être qu'ils vont régler, enfin du moins j'espère quand même qu'ils vont régler les problèmes, parce qu'au prix du jeu, enfin je suis désolée mais le jeu il coûte trop cher pour ce que c'est, au prix du jeu si en plus ils savent pas finir une application comme il faut, bah ça commence à être un petit peu compliqué. Regardez, je vais sur d'autres pages, ça fait pareil hein. Regardez là les jupes, regardez tout ce montre. Mais c'est dégueulasse, regardez. C'est dégueulasse. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais what is that? What is that? Bon, on va envoyer le joli petit haut vert ici. Histoire que je suis pas venue dans l'interface pour rien. Mais en gros, voilà, ça bug. Oh! Ah, ça a commenté ton look. J'ai envie d'aller voir. Enfin, gros bisous. Pas mal, moi aussi je ferai une imitation. Gros bisous, Kinzel. Merci beaucoup. Ah, j'ai fait l'imitation il n'y a pas longtemps là, donc voilà. Non mais dites-moi ce que vous. Est-ce que. D'abord dites-moi, est-ce que vous utilisez l'application PC ou pas? Je trouve qu'elle est quand même mieux que de passer par le navigateur. Le seul souci c'est que dès que ça bug sur la version logicielle, bah on est obligé de relancer le logiciel. Et le relancer c'est plus long que de recharger une page de navigateur. Du coup, c'est un petit peu relou, voilà. Donc, je voulais partager mon expérience avec vous, vous partager ma déception, et parce que j'en attendais beaucoup trop. Et voilà ce qui arrive quand on attend. Des fois, il vaut mieux ne pas mettre la barre trop haut et ne pas trop s'exciter tout seul si au final, il n'y a pas grand chose.
Donc je suis déçue. Voilà, je suis vraiment déçue. Je pensais que pendant les grandes vacances, je pourrais beaucoup mieux profiter, que je pourrais beaucoup vous répondre en message. Du coup, là, ça change pas au fait que je lag énormément et que je vais répondre à quelques messages et puis je vais devoir relancer à chaque fois parce que de nouveau, ça va rebugger. Après, peut-être que ça n'a pas été conçu pour des personnes comme moi, qui des personnes, des youtubeurs, etc., qui reçoivent tellement de messages, tellement d'invitations, etc., que ça fait bugger le jeu. Mais bon, pensez un petit peu à nous aussi, wesh, Movistar Planet, réveillez-vous, ok? Bon, je vais arrêter cette vidéo parce que sinon je vais encore râler pendant 5 minutes et je pense que c'est pas le but. Moi, sur ce, je vous laisse, je fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'application de Movistar Planet sur PC, que je sache un petit peu vos avis à vous. Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous validez ou pas? Après, je pense que pour des personnes qui ne sont pas youtubeurs, etc., qui n'ont peut-être pas forcément autant de demandes d'amis, autant de demandes de messages et de tout ce qu'il y a autour, peut-être que pour vous, bah, vous n'êtes pas déçus. Chose que je pourrais comprendre également, parce que je sais qu'il y a même des personnes qui n'étaient pas youtubeurs, qui laguaient même sur la version navigateur. Peut-être que vous buguez plus sur la version PC. Voilà. Bref, sur ce, moi je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao, ciao.